Salut à tous, c'est Zone, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une vidéo sur Bless Unleashed et on va parler aujourd'hui du patch note qui est sorti le 16 septembre. C'est marqué le 15, mais c'est PDT. Donc vous inquiétez pas, je dis la bonne date. Il y aura Lightspear Dungeon et la Twisted Veiled Spider Queen qui est sortie pour faire plus de défis. Donc le donjon sera 35, la Veiled sera 42. Donc c'est un nouveau boss de terrain, donc boss de terrain c'est boss un world boss hein, qui peut spawn comme le cyclope. Le cyclope perfide qu'on avait. Bon c'est pas tordu, c'est perfide. Donc l'arène araignée du 8 perfide. Donc elle sera spawn au level 42 par défaut. Donc faites attention quand vous y allez, hein. Ça va être le même système je pense que le cyclope perfide. Donc elle va s'enrage au bout d'un moment. Et je pense que niveau PV, ça va être joli. Donc on pourra avoir une monture hein, si jamais. Ça qui est sur le carte d'un œil, ouvert, regardez-vous. Ce qui paraît a fait des pièges, on verra. On verra ça si on la croise. Donc après maintenant le donjon, level 35 qui est sorti, donc dans les donjons du temps, qui est ajouté, hein, qui supprime pas un donjon à la place. Donc on en aura 5 au lieu de 4. Donc il sera level 35. Ils expliquent un peu, dimensionnel, un groupe de méchants magiciens Savantis, ces méchants de l'histoire pour ceux qui n'ont pas suivi, a été exilé et scellé en raison de leur pratique de la magie interdite. Mais Gideon, le descendant des Savantis, a récemment brisé le sceau. Nightspear. Nightspear c'est la tour, hein, pour ceux qui se demandent où on a battu Gideon quand il a libéré les démons sur Terre. Enfin sur Terre, sur la planète. Il y a trois parties dans le donjon. Donc trois boss. Le classique, hein. Donc, on verra ça aujourd'hui, nous, ce soir. Donc dans la boutique, ils ont ajouté quoi? Avantage premium 7 jours, avantage premium 30 jours. Pour ceux qui le demandaient, maintenant vous allez pouvoir vous abonner directement. Par contre, faites attention maintenant, les objets de la boutique Lumena ne sont plus échangeables. Qui seront liés au compte pour repocher tout ce qui est gold seller, etc. pour ceux qui font de l'achat-revente. Qu'est-ce qui a été ajouté? Changement d'apparence, changement de cheveux, changement de nom, carte Limit Lewis, uniforme, ça c'est des skins. Qu'est-ce qui a été supprimé? Costume épique, des forfaits, tout ce qui était limité. Croissance blesse, fortification, spécial Starseed. Et ça je pense c'est par rapport à tout ce qui était Starseed dedans. Et c'est complètement logique. Et parchemin sans engagement, c'est encore là. Produit limité. Parchemin des liaisons. Pour le stuff. Recharge des liaisons pour le stuff aussi. Récup 2, récup 1. Récupération. Régène plutôt. Et récup. Récup 2 ça sert à rien. Régène 1, c'est pas ouf. Boutique de kilométrage. Kilométrage, c'est la mauvaise traduction, c'est la miles. Hein. Boutique de miles, pour ceux qui se demandent. Guérison, est-ce qu'il y a des trucs. Boîte de graines étoiles plus grande. Noyau, les trucs classiques. Hein. Ça me choque pas plus que ça. Hôtel ancien. Modifié afin que le tirage étoile soit supérieur à l'ancien. Jusqu'à 30 fois par jour. Ok. Donc tout ce. Donc, supérieur, c'est les bénédictions payantes. Ça sera limité à 30 fois par jour. Avant c'était pas limité. Donc là un bug, les bugs correspondant à les classes. Pour le croiser, le guard du coup la garde est immédiatement annulée. Lors d'utilisation d'un combo autocast. All skill activé. Voilà, j'ai jamais eu ce bug là donc je ne sais pas trop à quoi il correspond. La correction d'un bug ou la mauvaise période était appliquée à l'effet de cinéma qui s'active lorsque vous frappiez des ennemis avec le feu de Zeld, donc l'épée feu là. De la marque du loup. Je vois pas trop ce que c'est non plus. La marque du loup, moi j'avais testé, on a un pourcentage qui était marqué à 3, hein, qui diminuait, je sais pas pourquoi. Peut-être ça c'est ça le bug, on verra ça en game.
Berserker, correction d'un bug. Où la compétence frappe d'épaule du Berserk n'était pas activée si on esquivait en utilisant les attaques combinées. Correction d'un bug où œil de la tempête du Berserk s'appliquait de manière anormale lors de l'utilisation de la compétence rage, alors que l'effet tempête précipitée de don de vaillance est activé. Mage pour la Légion. Suppression de l'effet de vibration de la caméra lorsque l'émetteur tombe par effet. Ok, quand il y a plusieurs. Parce qu'il joue Lion. Ça va être un peu plus cool déjà. Même si on voit toujours rien. Correction d'un bug où la bulle de mana n'était pas créée après avoir touché deux fois avec la compétence Arcane Flash 1 du mage. Donc le tir de Arcane. Prêtre. Correction d'un bug où les combos n'étaient parfois pas déclenchés lorsque le prêtre répétait les esquives et les combos alternatifs. Correction d'un bug où, lors du maintien de la compétence de classe du prêtre, forme radieuse, le lancement automatique n'était pas activé ou continuait à tenir. Correction d'un bug où protection et sacrifice du prêtre n'étaient pas actualisés lorsque bouclier de la foi était actualisé, alors que le bouclier de la foi était activé. Ok, un bug sur les bouclier encore. Correction d'un bug où une compétence hold était annulée si les joueurs ouvrez et fermez la fenêtre de discussion tout en utilisant la compétence lorsque. What? Qui fait ça? Autocast all skill est activé. Correction d'un bug ou lorsque l'effet de réduction du temps de recharge est appliqué aux compétences de recharge. L'effet de réduction de temps de recharge n'est pas appliqué si le temps de réduction est plus long que le temps de recharge unique. Ah ouais, si ça dépasse le sac. Je vois. Quête. Au fur et à mesure que tout ce doigt d'expérience est ajouté. Il a été ajouté dans la quête régionale, vaincre le Spider Queen. Correction qui empêchait de terminer la quête, soumettre le saboteur de la jungle éternelle. Si le joueur interagissait de loin avec le PNJ juge. Correction pour la récompense de la quête régionale, un exorciste en retard. En donjon, qu'est-ce qu'il y a comme bug? Ah oui, il y avait un petit bug dans l'escalier là pour monter les marches après le deuxième boss de la cantate de l'éclipse. Il fallait sauter pour passer par-dessus. Rien de bien méchant. Hein. Ah oui, ça, ce bug là. On l'a déjà eu. Contenant annulé, le matchmaking est resté. Après ça lance à rien, on sait, mais bon. Après lui, UX. Ça je vous laisse lire, hein. Par contre. Je vais pas tout vous lire. Mettez pause, hein, sinon. J'aurais dû faire des trucs intéressants. Par exemple, niveau 5, on a le chat. Les matériaux passent de 100 à 300, donc les matériaux gris. Donc ça, c'est super cool, hein, par contre. Ça va me faire gagner énormément de place. Donc équilibrage en PVP. Attaque de base diminue de 50% les dégâts. Et compétences 70 à 85%. Ils font ça pour pas que tout le monde se fasse one shot. Hein. Là, il y a un bug pour la wyverne de terre, je crois. Ouais, ça. La gère wyverne de pierre plutôt. Il y a un petit glitch hein, pour pas qu'ils se fassent taper les gens. C'était corrigé. Maintenant, faites attention les amis, vous pouvez utiliser le marché à partir du niveau 27 seulement. Donc si vous faites un reroll pour vous stuff en rang B, level 18, vous ne pourrez pas. Il faudra atteindre le niveau 27. C'est temporaire, c'est pour empêcher les actions des colsellers. Voilà. Les jeux ne sont plus disponibles dans le PNJ échange de jetons. Quel PNJ fait échange de jetons?
Je vois même pas c'est quel PNJ qui donne ça là. Quelques petits bugs encore. Problème 7 jours hein, qui est donné. Donc là c'est tout pour les amis, c'est tout pour le patch note. Nous on va se retrouver pour le nouveau donjon qui va m'intéresser quand même déjà. L'araignée m'intéresse moins parce que level 42, j'ai pas envie d'y passer 3 jours. Du CPV à mon avis. Sur ce les amis, je vous souhaite à tous un bon visionnage, un bon jeu et à plus tard.